Je soutiens l'IB parce que soutenir l'IB, c'est être pour la liberté d'expression. Je trouve qu'à Orléans, il y a un certain nombre de médias, chaque média a une place différente. Agora Presse a une place, France 3 en a une autre, La Rep une autre, France Bleu Orléans, etc. Les blogs en ont une autre. Et je trouve que l'IB Orléans est, de mon point de vue, un média qui est en phase avec les questions sociales, avec les mouvements sociaux, et que c'est un secteur sur lequel peut-être les autres médias ne sont pas aussi présents avec cet impact-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'IB Orléans sort un article, il y a un certain nombre de chances pour que cette information elle soit remontée au niveau national. Je vais citer deux exemples. Premier exemple, l'exemple que tout le monde a, qui est l'exemple de Najla, qui était une jeune femme qui a été portée plainte au commissariat parce qu'elle était battue par son frère et qu'on a renvoyée au Maroc dont elle est originaire. Bon ben, sans l'IB Orléans, probablement que l'affaire ne serait pas sortie, qu'elle ne serait pas montée au niveau national et qu'on n'aurait pas pris conscience du fait que ben voilà, cette politique de Sarkozy, c'est une politique qui, plutôt que de protéger les faibles, eh bien, divise les gens et exclut. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, l'IB Orléans est un des rares médias à pouvoir faire ça. Je vais prendre un autre exemple beaucoup plus petit. Moi, je me rappelle, j'étais il y a quelques années père d'une petite fille de 6 ans. Le soir, elle me ramène un papier qu'elle doit signer. Alors, à 6 ans, je rappelle, un enfant sait à peine lire et écrire. Et c'était quoi? C'était les cartons rouges de la cantine pour les enfants qui se comportaient bien ou mal. Et donc, je me rappelle avoir fait un article sur mon blog, parce que je suis blogueur, l'avoir envoyé l'information à Mourad, avoir été rappelé deux jours après par RTL, et quelques jours après, ça passait aux 13h de France Inter, ce qui a fait revenir le maire sur sa décision. Je pense que sans un l'IB Orléans, les enfants de la ville d'Orléans, à l'âge de 6 ans, devraient signer des cartons rouges ou verts selon qui se tiennent correctement à la cantine ou pas. Voilà. Donc je crois que cette diversité, elle est importante, qu'à Orléans, chacun a vraiment sa place. Et moi, je suis attaché au fait que, quelles que soient les idées politiques, les médias aient chacun leur place et offrent une possibilité pour chacun de s'informer selon ce qui l'intéresse, sur les sujets qui l'intéressent. Para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.